maman. Bonjour. Bonjour. Ça cuit. Hey, maman. Ouloulouloulouloulou. Pardon. Ça cuit. L'heure est grave. L'heure est très grave. Ouloulouloulouloulou. L'heure est grave. Ça cuit. Bonjour. Il dit que je me réveille tous les matins maintenant, je vous dis bonjour. C'est encore couché là. Non, le tout c'est, j'ai mis là, ma petite musique, pardon. Eh beau. Bon, m'a mis à poil hier. Hey, on a capturé mon sang. Hey, maman. Bombo a fait, on a capturé le sang. Et l'affaire des grands-mères, c'est. L'affaire d'être grand-mère, si c'est grave, l'heure est grave là. On a fait la capture de Bobby, mon frère. Bonjour. Hey, maman. Bombo a fait, on a capturé le sang de sa grand-mère. Et ta. J'ai dit, hein, bonjour, bonjour. Mbombo là, elle doit être. On fait comment de Mbombo? Dites-moi, on fait quoi d'elle? On fait quoi de Mbombo? Mbombo a tiré le panty. Hey. On a attrapé le sang au haut de maman Pépé. Hey, ça fait le buzz maintenant. Hey. Ouh, je vais mourir. Oui, Mbombo. Qu'est-ce que je vais faire de Mbombo? Il ne prend plus Mbombo, hein. Quand il fait mes directions, il était là maintenant, la Mbombo elle tire encore. Aïe. Oui, le sang de maman peut faire, il y a le buzz. Aïe, le sang t'a recherché. Oh. Maman, oui, on fait quoi de Bombo alors? Dites-moi ce qu'on fait de Bombo, question. Parce que je ne veux pas laisser la femme la partie comme ça. Mon frère, toujours pas être grand-mère là. Ah, non. Là, je vais mourir. Mon sang. Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça. Moi, je vais tuer quelqu'un. Je vais tuer. Je vais aller chercher Bombo aujourd'hui. Elle va me dire pourquoi est-ce qu'elle a mis mon sang dehors. Aïe, Bombo a tué sa grand-mère. Le sang de sa grand-mère. Ça fait le buzz. J'ai convoqué les gens. J'ai convoqué les gens ici pour faire la dictée. Il est devenu me répondre à les questions que j'ai posées. Ils viennent maintenant avec mes seins. J'ai la crampe au bas-ventre. Maman, elle dit, oh yo, le sang est en train de faire le buzz. Il dit à Etounou, est-ce que c'est ce que je t'ai appelé? Je t'ai posé les questions. J'ai demandé à Etounou de venir répondre à mes questions. Ce n'est pas les questions que je. Ce n'est pas les réponses là-bas. J'ai dit à Etounou que vous avez insulté Marie-Josée ici. Qu'est-ce qu'on fait de la vôtre maintenant? Vous venez seulement capturer les seins. Vous fantasmez. Ça veut dire que vous dormez seulement. Et tout nous. Tu as vu mes petits seins. Maintenant, tu vas te masturber avec. Et vraiment. C'est ça qui fait le buzz maintenant, mon frère. Oh. C'est ça qui fait le buzz. Oh. Le tété de maman Pépé. Mais j'ai l'habitude de donner le sang au bébé. Non, c'est normal. Quand on est grand-mère, c'est comme ça. Quand le bébé veut pleurer, tu donnes le sang. Hey, donc, quand vous avez le buzz, vous avez le sang là. Donc, quand vous avez le sang là, le sang là, ce n'est pas le dos, hein. Ce n'est pas le devant, ce n'est pas le derrière. Hein. Ce n'est que le sang. Je peux allaiter n'importe où, si je veux. Je peux prendre un bombo demain ou tout à l'heure quand je pars là-bas. Je sors le sang, je donne un bombo. Ça, c'est rien. Ça là, c'est rien. Mais ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question que j'ai posée hier. J'ai posé des questions.
J'ai demandé. Vous avez transformé, vous avez dit que j'ai insulté, alors que moi je posais les questions. C'est toi qui nous as appris les parodies sur la toile, non? Moi j'ai fait ma parodie. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Maintenant vous avez le buzz. Vous avez vu la photo que j'ai partagée. J'ai partagé une photo là. C'est donc pour vous montrer que c'est moi avant. Regardez comment j'étais noir. Merci beaucoup encore, merci. Merci d'avoir sorti cette photo. Qu'on confirme comment j'étais noir. Et qu'aujourd'hui, j'ai le teint de Rihanna. Voilà. Donc, allez sur Maléba Perpétue, vous allez voir, j'ai partagé. Ils ont mis une de mes photos. Je suis parti, j'ai mis. Ils ont mis là, ils ont dit de chop mon feu. Un bon cuit. Hey, il m'a encore de l'envie d'un cuit. Il faut que j'appelle Gabi, on ne peut pas l'on cuit. Hey, l'on cuit de ça. Hey. Ils ont mis là du centre de chop. Comme j'aime, moi, mon frère, vous m'avez trop insulté, gringa, gringa. Il fallait qu'il chope un jumeau. Il faut qu'il fasse le doc. Il me lève comme ça et pas ici. Il n'y a pas la nourriture, il me fâche. Il faut qu'il chope. Hé, hey, comment? Depuis qu'il chope là, vous ne voyez pas comment j'ai les lasses. Les lasses de ça, le ventre de ça. Mais ce n'était pas la question. J'ai posé une question. Est-ce que vous pourriez me répondre? J'ai dit où? Vous avez dit que ma mère, tout le pépé. Et la vôtre qui est arrivée, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Question. C'est la question que j'ai posée. Toi, tu ne viens pas me répondre. Tu viens seulement dire que les saints, que j'ai exposé les saints. Ce n'est pas la question. Il faut venir me répondre. Et tout nous. Et tout nous, il faut me répondre. Je vous ai convoqué, toi et ta faux. C'est vous qui avez lessiver, savonner ma mère ici sur la toile. Oui. Venez me dire maintenant alors. Allez, faites une confrontation avec votre présidente. Vous demandez à votre présidente que bon, maintenant la loi Singrenga se fâche. Aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. C'est la question. Dis que oui, vous, tu nous as demandé ici plusieurs fois d'insulter la mère de Ngrenga. Bon, maintenant, si Ngrenga aussi se venge, on fait comment? Parce que avant, Ngrenga n'avait pas le fouet pour nous fouetter. Maintenant, là, Ngrenga a le fouet. On fait comment? C'est ça la question. Parce que vous avez le fouet pour nous fouetter. Ma mère étant sur place, sur le territoire. Hein? La question maintenant, c'est qu'on fait comment? Comment? On va faire comme... Maman, lui dit que le tout aussi. Je me suis levé, j'ai porté ça. Il dit que il n'y a plus de capture. Vous allez capturer seulement les gros yeux là. C'est tout. Aïe! Maman! Papa, 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 papa. Non, vous avez fait fort. Capture. Hé, hey, Mbombo. On fait quoi de Mbombo? Non, on va faire quoi de Mbombo? Dites-moi un peu. Je vais... Hey. Mbombo a mis le sein de sa grand-mère dehors. Oh, 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 Mbombo. Mbombo a mis le sein de sa grand-mère dehors. Hey, heureusement qu'elle n'a pas mis les fesses. Aïe, ouh. Ouh, 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 maman, ma ouf. Il va mourir, oh. Je suis dans la liste des gens qu'on met sans caleçon dehors. Je vais l'attacher l'enfant là aujourd'hui. Je vais l'attacher l'enfant là. C'est à cause d'elle qu'on a fait la capture de mon sang. Ouh. Viens m'effacer le direct là trop tard. Je vais pas effacer le direct alors qu'on a fait la capture depuis. Moi, je suis bête. Oh. Hier dans la nuit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, hey, hey. Maman, j'ai couru vite pour effacer trop tard. Je suis parti effacer le direct là. Mbombo a tiré le drap sur mon sang. Eh Dieu. Eh Dieu. Bon, en tout cas, ce n'est qu'un sang, hein, c'est normal. Puisque quand je vais me tatouer, n'est-ce pas, regarde les sangs là. Le sang, c'est rien. C'est une grand-mère. Je peux donner le sang à ma petite fille, hein. Ah, c'est pas méchant, ça va encore, on peut encore valider ça, ça c'est rien. Quand je vais à la piscine, là, n'est-ce pas, vous voyez tout ça, ça c'est rien. Pff. C'est rien du tout. Et les photos qu'on a mis là où je mange le cuit,
Franchement, j'adore. J'ai repartagé ça parce que je ne sais même pas. Ça fait longtemps. C'est de belles photos quand même. Hein. Et là, je suis noir là. Ah! Il faut que je prenne ça. Je vais faire. Voilà. Il faut que je récupère la photo là pour faire le challenge avant et après. Voilà. Merci beaucoup à la personne qui a republié ces photos-là. C'est pour montrer encore que quand on dit que on vend des crèmes, on voit la personne avant et après. Vous voyez très bien comment est-ce que j'étais black et aujourd'hui, je suis quoi? Aujourd'hui, je suis plus black. Ça veut dire que mes produits marchent. Je suis l'exemple. Je suis mon modèle moi-même. Voilà. Ça veut dire que je ne fais pas le mauvais mélange. J'ai dit aux questions. J'ai demandé à Etounou et son frère de venir me répondre. Quand ils affichaient les mamans des gens ici sur la toile, votre propre mère est là. On fait quoi? Je ne fais que poser seulement les questions. Je n'ai rien à dire. Je pose seulement les questions. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Œil pour œil, dent pour dent. On fait quoi? Dites-moi. C'est la question que j'ai posée, mais ils n'ont pas répondu. Ils se sont précipités pour aller chercher, faire ma pub encore, merci. Montrer comment je suis une chopeuse. J'aime chop mon frère. Et là, dessus, il y a des boum là. J'ai la faim. Oui. Là, vous m'avez fait, j'ai envie de manger l'oncuit encore. L'oncuit, c'est très bon avec les légumes à côté. Vous avez vu comment c'était bon. C'est trop bon, il faut que j'appelle qu'on me fasse ça. Oh là là, un bon cuit comme ça là. Et ma fille de ménage, je ne sais pas faire un cuit. C'est une bassa. Il faut que j'appelle Gabi. Qui voit sa voisine là, elle me fait un cuit. Hey, maman. J'ai dit où? Ma question c'est, mini anus. Je voudrais savoir. Qu'est-ce qu'on fait de la vôtre? Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Je sais pas moi, il faut que tu me donnes une réponse. C'est pas la réponse que j'attendais là-bas. Parce que tu mélanges tout là, tu as tout mélangé. Tu as mélangé mais les voisines d'à côté, tu as mélangé tout le monde. Non. Ce n'est pas la question que je t'ai posée. J'ai posé la question. Toutes les mamans là que vous avez piégées, mettre les voix, faire les trucs. Maintenant que la vôtre là, qu'est-ce qu'on fait? Je veux savoir. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On diffame aussi sur elle? Ou on ne diffame pas? C'est ce que je veux. Ou on dit la vérité sur elle? On ne dit pas la vérité. Quand je pose une question, je veux une réponse. Je ne veux pas qu'on vienne dire qu'on a vu mon sein. Le sein, c'est les détails. Les gens sur la toile sont habitués. Maintenant, alors ceux qui voulaient aller voir mes seins depuis maintenant, ils vont se branler jusqu'à. Ah, vous aussi, vous avez dérangé. Bumbo là. Oh. Ouais, Bumbo. Bumbo. Eh, Dieu. Bumbo, hein. Et vous devez me répondre maintenant. Vous voyez qu'on doit faire quoi de Mbombo? Qu'est-ce qu'on doit faire de Mbombo? Dites-moi. Parce que Mbombo m'a exposé, elle a mis mes seins dehors, mon frère. On fait quoi de Mbombo? Bonjour, Longo, ma chérie. Bienvenue. Mbombo nous a tués, maman. Quand tu m'as envoyé la photo là hier, j'ai seulement regardé. J'ai envoyé seulement les pleurs. Maintenant, on fait quoi de Mbombo alors? Hier, là, la nuit, quand j'ai vu ça, moi, j'étais jaune. J'étais moins jaune. Est-ce qu'il voyait ça, me dit donc? C'est que là, il y a deux personnes qui sont là-bas, là. Il y a Mbombo. Il y a Etounou. Je ne sais pas ce qu'on va faire de Mbombo. Elle, je crois qu'elle va se mal enchaîner. Bonjour. Je crois que je vais l'enchaîner.
Mais maintenant, alors, Etounou, je voudrais savoir, je voudrais que Etounou essaie un peu de me donner des idées et me dise ce qu'on doit faire. Parce que j'ai demandé, j'ai posé des questions à Etounou. Que qu'est-ce qu'on fait de leur maman? Maman, je vous dis que allez sur Maliba Perpétue. Vous allez voir Maliba avant et après. Vous allez voir comment Maliba était noir. Maliba était black. Aujourd'hui, Biosé, Canaël l'a lavé. Maman, je brille déjà haut. Hey, j'étais noir. Je vous ai dit que toute la famille chez nous, nous sommes noirs de nature. Noirs. Ingrenga chez nous. Oui. Maintenant, alors, j'aimerais savoir, vous qui m'avez donné le nom d'Ingrenga, qu'est-ce qu'on doit donc dire des vôtres? On doit les donner quel nom? Vous-même trouvez bien le nom avant que je ne trouve le nom. Trouvez le nom, hein. Parce que hier, j'étais Ingrenga. Aujourd'hui, c'est quoi? Vous m'avez insulté, Ngringa, mais n'avez pas fait le ndok pour manger, vous vous plaignez encore. Mais vous voulez quoi à la fin, même? Hein? Vous voulez quoi? J'ai commencé mon régime, même. Je mange une fois par jour maintenant. Parce que j'ai constaté que j'ai trop pris les kilos. Regardez le ventre. Moi, je ne fais que sortir. Les fesses, maman. Mes habits ne me suffisent plus. Eh non. Les fesses, les joues. Les joues, là, m'énervent. Même ma mère m'a dit toujours que, hé, hey, ma fille. Tes joues là, hein. Ah, j'ai trop pris là, j'ai trop pris du poids. Tellement on m'a insulté, Ngrenga, 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 Chihuahua, Ngrenga, Chihuahua. J'ai couru vite parti, commencé à faire le ndok. Je suis maintenant que dès que quelqu'un m'appelle, il m'a dit que je prends le bic, la feuille et le stylo. C'est quoi, c'est rien ou c'est mon écran? Parce que dès qu'on tourne comme ça, je cours vite au marché. J'achète la nourriture, je prépare, je mange. Maman, allez, chopo. Regardez les joues. Regardez vous-même les joues. J'ai donc demandé que, bon, comme on m'appelait Ngrengala, maintenant alors, on va vous appeler comment? Hein? C'est la question que j'ai posée. C'est la question que j'ai posée. Que on va vous appeler comment? Comment est-ce qu'on va vous appeler? C'est la question que j'ai posée à Etounou. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui là, c'est bien couvert. Il n'y aura pas de capture. C'est bien dit dame. Et elle n'est pas là, regardez. Elle est juste seule. Et si les gens les habillés, j'étais là-bas là. Normalement, c'est pas là-bas que je mets ma tête. Mais j'ai mis ma tête par ici. Parce que moi, il dort souvent, mais je bagasse sur le lit. Elle n'est pas là aujourd'hui pour tirer, même si elle tire, même j'ai ça. La courte femme là, la petite femme là. Elle m'a laissé, elle m'a griffé, il n'y a pas. Je vous avais dit, celle que la Mbombo là était complice avec l'Angala. Je vous avais dit. Parce que le jour là, ici, quand il parlait, elle fait que me griffer. Elle fait que me griffer. Depuis le premier jour, vous avez remarqué ça, non? Il dit, c'est quoi, tu es complice? Elle faisait que me griffer. L'enfant là. C'est les gens là. On a monté l'Angala. On a monté. On a payé Mbombo. On a payé Mbombo. Vous venez me déshabiller. Hey, maman pour faire le buzz maintenant. Ouais. Non, elle doit passer à la barre. Boubou doit passer à la barre. Aujourd'hui, elle va passer à la barre. Elle va me dire qui est venu lui donner le choco. Elle va nous dire ça. Je vous dis, Boubou, votre Boubou là va passer à la barre. Il faut qu'on l'affiche. Je vais clasher Boubou. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai bien dormi. Hein. Je suis rentré hier. Tous mes téléphones étaient déchargés. Mon modem déchargé. J'étais à ma grande soeur, on a passé toute la journée ensemble. Elle allait faire ses soins de corps, là, tout ça. Là. Moi, je suis allé faire ma coiffure et renouveler mes ongles. Et maintenant, je me tire encore un peu sur le lit avant de me lever.
J'ai deux courses à faire, hein, non, trois. Je dois aller retirer nos habits chez la couturière, les habits du mariage. Je dois aller retirer ça. Ensuite, j'ai une commande que je dois aller livrer. Je vais au marché. C'est parce que je prépare. Ah, ma soeur m'a dit qu'elle veut manger le gombo. C'est que nous, on adore le gombo. J'ai préparé le gombo avant-hier. Aujourd'hui encore, j'ai préparé le gombo. Elle adore le gombo avec la semoule. Donc, je crois que je vais faire le gombo. Faire le gombo. Avec les obstacles dedans, non. Je fais le gombo. Les crabes, là, il faut que j'aille jusqu'en machine au fondue, non. Mais pas les crabes. Je vais mettre poisson fumé, un peu de viande boucanée, la viande de bœuf. Faut manger, les jours vont tous sortir. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai une commande que je dois livrer à midi. Après cette commande, compliqué. Et moi, si je n'ai pas encore 10, je ne vais pas me lever du lit. Je ne vais pas me lever du lit. Je vais encore, après le direct, là, je vais encore m'assoupir. Je vais encore dormir un peu. Je vais aller au marché, marcher. Votre maman Pépé. Vous voyez que je réveille les morts, non? Vous avez confirmé aujourd'hui que je réveille les morts. Je réveille, oui. Quand les gens dorment là, je viens, boum. Dernière fois, j'ai amené le sujet du mariage. Deuxième fois, bam bam. On dit quoi? C'est moi qui donne le travail. Puis, marche à mon rythme. Ça me... Marche à mon rythme. C'est ça. J'ai posé des questions, j'attends des réponses. On sent que c'est des enfants qui étaient bêtes à l'école. Parce que les questions que j'ai posées, ce n'est pas les réponses qu'on m'a données. Alors vous êtes des enfants idiots et bêtes, ces enfants-là. On demande que qu'est-ce qu'on fait de temps? Lui vient dire que Ngrenga était au mariage l'autre jour. Elle a dit qu'elle n'est pas restée au restaurant, elle mange. Elle passe son temps à manger. Ce n'est pas une réponse. C'est tu es hors sujet. Voilà. Ngrenga, tu étais couché sur le lit. Tes sens ont fait wap. Ce n'est pas la réponse que j'attends. Donc, faut revenir me donner une bonne réponse. J'ai dit, je recommence, que vous avez, je ne parle pas seulement de la mienne, vous avez insulté les mamans ici, plusieurs mamans, piégé même des mamans, toujours pour savoir ce que je faisais, où je fonctionnais, où je montais, où je descendais. Vous avez piégé les mamans des gens, hein? Sans compter que vous avez caricaturé ma mère. Diffamer, inventer et tout. Maintenant, la question c'est, la vôtre, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que j'ai posée. C'est cette question que j'ai posée et c'est la réponse que j'attends. Je n'ai pas dit que vous avez mangé dans un restaurant ou que vous n'avez pas mangé. Non. Ce n'est pas ça, la question. Non. Je n'ai pas parlé de moi. J'ai dit, j'ai posé la question de savoir que toutes les mamans-là, si moi je prends la décision de venger ces mamans-là, j'ai demandé qu'est-ce qu'on fait de la vôtre, de votre maman? Mais vous ne me répondez pas. Vous venez seulement bombarder les seins. Vous venez bombarder l'incrus, mon frère. Vous me mettez la salive dans la bouche. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que vous avez zéro. Je vous redonne encore une chance. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Est-ce que vous savez que quand vous avez exposé le sang de la mère, hein, la mère des enfants là, hein, que je nourris mes enfants ici au Cameroun avec là. Vous venez mettre le sang dehors. Ils peuvent aussi mettre le sang de vos mères dehors. Hein. Parce que moi, je suis maman. Hein. Et je suis grand-mère.
Et c'est ma petite fille qui a mis mon sang dehors. Donc, je peux dire à ma petite fille que venge-moi. Oui. Je peux dire à ma petite fille que venge-moi. Tu as mis mon sang dehors. On a capturé. En fait, c'est un sujet de comme si c'était une moquerie. Venge-moi. Et on va se venger sur vous, mais. Venez pas mal. Et venez pas mal. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de la vôtre? C'est ça la question. Ce n'est pas de venir dire que je mange. Vous êtes hors sujet. Tout le monde sait que je mange. Moi, je demande même. Je réclame même. Je vous ai dit que le ndok, c'est le courage. Quand quelqu'un m'appelle, il dit toujours que mon frère, tu es où, j'ai faim. Je ne vais pas au restaurant m'asseoir. C'est comme ça. Dès que quelqu'un m'appelle seulement, il te demande position. Je fais comment? Je ne vais pas au restaurant. Tu me dis oui là. Et puis il m'assoit, il chope bien, il boit mes deux apples. Tout groupe, je rentre. C'est comme ça. Dès que mon petit frère m'appelle, je dis, ta femme a préparé quoi là-bas? S'il me dit que c'est non, je dis laisse. Comme ma voiture est en panne en ce moment, elle est à Douala, elle est en panne. Quand j'avais la voiture, j'ai débarqué chez ma grand-sœur à toute heure. Quand je demande, ma voiture a préparé quoi? Si elle dit que le riz sautait, je dis au revoir. Dès qu'elle dit un peu que le bongo, ondolait, le ish, maman est pas, elle m'assoit, j'écarte mes fesses, je chope bien. Hey. Maman, il y a l'autre qui est devenu comme la chair, l'autre est devenu comme l'éléphant. Le gros porc a dit qu'elle a mis le stérilet. Maman, depuis là, donc tu ne voyais pas que le stérilet là te faisait grossir subitement. Vous avez dit que vous écoutez quand même mes conseils. Vous avez dit que le poids n'était pas bien pour la santé. On dit que quelqu'un mange. Vous dites que moi, il mange. Vous savez comment l'angala chope. L'angala commande la chope. On vient livrer la chope. Elle ne commande pas un seul plat. Elle ne commande pas un plat. Quand elle commande au moins 10 plats. Elle chope en vrai. Elle ne fait pas semblant. Elle chope et quand elle rôte, ça avait les pères en même temps. Est-ce qu'elle blague? Maman, l'angala chope, c'est qu'elle stérilait. Dis que tu veux devenir taille de guêpe. Tu as compris que le gros corps n'était pas bien. Mais je t'encourage. Je t'encourage. Le poids n'est pas bien pour la santé. C'est très dangereux. Le poids n'est pas du tout bon. Donc, je t'encourage dans ta démarche. C'est très bien. J'ai toujours dit, il ne faut pas avoir honte de sa mère. Il faut avoir honte de ses parents. Il ne faut jamais avoir honte de ses parents. Jamais, jamais. Parce que la façon que tu fais là, c'est comme si ça te chope, qu'on dise que ta main est gringa. Tu ne dois pas te chope. Elle a la taille recherchée. Pourquoi ça te chope? Est-ce que moi ça me chopait comme si c'était une gringa? Quand t'es porté, manque mes culottes propres. Pourquoi ça te chope? Je sens que ça vous a piqué. Je vous ai touché. Hey, maman. Hey, maman. Maman, il y a une commande là. Il y a une grosse commande. Une grosse commande. Dommage. J'aurais dû amener des bouteilles ici au Cameroun. Même au Cameroun, je travaille, mon frère. Il se pourrait que j'aurais. Apparemment, j'ai entendu tout nous dire que j'avais dit, je suis venu combattre ta patronne de ne pas venir exposer la prostitution sur la toile, de ne pas venir exposer les gourdes. Je n'ai jamais interdit à ta patronne de faire le jansan. Jamais. Je n'ai jamais interdit ça à ta patronne. Le 10 avait dit que les gourdes sur la toile, je ne veux pas. Je ne veux pas les gourdes. Et si elle fait sa prostitution, ce n'est pas sur la toile. C'est ce que j'avais dit.
Mais comme tu as le Yahoo à la place du cerveau, tu es bête que tu n'arrives pas à répondre à mes questions. Tu amènes des sujets qui n'ont pas de sens. Tu dis que j'avais dit que ta patronne ne doit pas vendre l'audience, elle vendait l'audience avant. Ça veut dire que vous avez la mémoire courte. J'ai interdit à ta patronne d'insulter les gens à tort et à travers, de prendre l'ego, de venir monter sur la toile, de répondre aux clients en direct. Oui, ça, j'ai interdit ça. Tu viens dire que j'ai dit que oui, je fais la pute. Toi, tu es trop léger, tu peux me piéger, toi. Tu dis que je suis sale, tu t'es regardé. Et je suis sûr que c'est mon Jean-Sam qui t'a lavé comme ça. Tu as envoyé quelqu'un acheter. Parce que je me rappelle, il y a une cliente qui m'avait appelé, elle m'a avoué, elle m'a dit cache que je suis du camp de la vache folle. Mais j'ai vu sur toi que ta crème donne. C'est pour ça que je viens prendre. Oui, je ne mens pas. Je ne mens pas. Non, et tout nous. Elle a envoyé les gens prendre la crème chez moi. La personne m'a appelé, la personne m'a dit cache, cache que je supporte telle, la vache, mais j'ai besoin de tes produits. Oui, et après, la personne a voulu entrer dans trop de débats là, que oh, il faut laisser ça, il faut laisser les injures. J'ai dit que mon frère, moi j'insulte encore depuis. Donne-moi mon argent, tu prends tes produits, tu pars, continuer ta route, c'est tout. Donc, tous ces gens-là, je les livre la crème. Eux-mêmes, ils ont vu, non, ils ont posté la photo avant. Comment elle était noire. Donc, on va relever encore le challenge avec ça. Je pars d'abord à Douala. À mon retour, on va mettre ça avant et après. Comme la main de la cliente que j'ai mis pour le botox, vous avez vu, non? La main de la cliente avant et après. Le résultat, c'est le résultat qui paye. Oui. Parce que tu peux avoir les plus belles bouteilles. Tu peux avoir. Tu peux travailler avec je ne sais pas qui. Mais c'est la contenance. C'est ce qui est dedans qui est le plus important. Le résultat de la fin. Oui. Qu'on m'appelle sale, quelqu'un qui pue des aisselles, quelqu'un qui pue des aisselles. Que le jour qu'on a arrêté dans le 17e, le deuil voulait notre mort. Mon père a craché pendant 2 jours parce que c'était lui, alors il a bien pris cette odeur là, une odeur forte. Je t'ai dit, il faut laver tes aisselles avec le vinaigre, même 3 fois par semaine. Le vinaigre, même tous les jours, même pourquoi pas. Parce que tu sens l'unjai. Vous connaissez ce que c'est que l'unjai? L'unjai, c'est le poisson. Et quand le poisson veut tourner là, ça sent mauvais, donc, et tout nous. Il faut nettoyer. Le citron ne tue pas. Le citron, c'est léger. Le vinaigre est plus fort. Et si tu fais un bain de sel avec du vinaigre, c'est-à-dire pendant que tu fais ton ménage, tu mets le vinaigre là comme ça, tu poses le vinaigre et tu fais tes trucs. Après, tu vas te laver. Tu n'as plus besoin de déo, tu n'as plus besoin de stick. Tu as compris et tout, non? Je te donne les cours. Parce que se laver, être propre ou se laver, verser l'eau comme ça, ne veut pas dire qu'on est propre. Je suis désolée. Tu es sale à l'intérieur. Parce que tu vas verser l'eau comme ça là. L'odeur de ça, quand ça sort, c'est mauvais. Donc, il faut prendre du vinaigre. Du vinaigre, tu mets sur tes aisselles. Tu mets le vinaigre. Comme ça, tu pourras venir t'asseoir et me parler. Parce que pour l'instant, j'imagine déjà que tu as d'abord cette odeur-là. Et maintenant, l'odeur du derrière. Parce que quand tu transpires, même la femme, quand elle transpire, souvent, il y a une forte odeur qui sort là. Imagine alors que toi, alors, tous les soirs, il y a que on te casse. Il y a une petite fuite, souvent il y a des petites fuites. Parce que quand tu casses le derrière, ça ne tient plus.
y a des petites fuites là. Donc imaginez l'odeur et tout ça là. Donc mon fils, je te donne un conseil. Fais des bains avec du vinaigre. Je sais que vous écoutez tout ce que je vous dis souvent. Vous partez souvent le faire. C'est très important. Très, très important. Parce que tu as beau te laver, tu n'es pas propre. Parce que le jour que je t'ai vu, tu sentais, tu puais. Tu puais. Même ta patronne, le jour-là, sentait les aisselles. Mais elle encore, je comprends, peut-être elle avait passé toute la journée à Waka, parce qu'elle était avec les Waka International. Ce jour-là, elle puait la sueur. Oui. Mais ça ne veut pas dire que peut-être elle se lave pas. Elle donne souvent les coups de bain ici, non? Mais le jour-là, vous tous là, vous sentiez la sueur. Et pas une petite sueur, une sueur forte. Donc, il faut faire des bains, hein, avec du vinaigre. C'est valable pour toutes les mouches là qui suivent ma mère de partout. Les aisselles, c'est important. C'est normal, tu vis avec un blanc. Le blanc, il adore les odeurs fortes. Mais il faut lui faire comprendre à ce blanc là, à ton blanc là, que quand tu es avec tes compatriotes, ils se plaignent de ton odeur. Hein? Faut dire à ton type là que mes compatriotes, parce que eux, ils aiment cette odeur-là, la forte odeur-là, ça les excite. Donc, il faut dire que non. Mes compatriotes m'ont dit que il faut que je me lave avec du vinaigre parce que mon odeur est très forte. Ça, c'est un message pour tous nous. Hein? Il y a mon voisin ici, quand il met la musique comme ça le matin, ça me réveille. J'ouvre tout, j'ouvre les fenêtres, j'ouvre tout. Parce que ma fille de ménage n'est pas loin. Donc elle me lève, j'ouvre d'abord la porte centrale. Comme ça, elle entre seulement. Elle veut commencer le travail. Bon, elle va encore dormir un peu, non? Oh. Et tout nous, tu veux mettre les têtes de mort, pourquoi? Et tout nous, tu veux me mettre les têtes de mort, pourquoi? Et tout nous. Tu veux mettre les. Je te donne les conseils, tu veux mettre les têtes de mort, ils sont en train de te donner les conseils. Même le matin comme ça, vous venez dormir sur mon mur, vous m'envoyez la tête de moi. Qu'est-ce que ça n'a pas marché? Il donne les conseils de propriété, non? Est-ce que vous m'avez pleuré comme vous avez mis mon sein dehors? Maintenant, moi, je vous donne les conseils, vous pleurez. Vous m'envoyez la tête de moi. Merci, Longo. Merci pour les cœurs que vous m'envoyez là. Je ne comprends pas. Je donne les coups de propriété. Même la personne que... je suis en train de donner des coups là qui voient les têtes de mort. Ça va t'aider aussi. Peut-être toi aussi tu as les odeurs. C'est un conseil que je donne. Quand tu envoies me donner les têtes de mort, tu envoies les têtes de mort, pourquoi? Le conseil que j'ai donné n'est pas bon. C'est un conseil. Ce n'est pas seulement. Ça peut aider tout le monde. Ça peut aider tout le monde. Il y a des gens peut-être qui ne connaissaient pas le secret là. Parce que beaucoup de gens connaissent beaucoup plus le citron. Quand le porc veut se gâter, la vie, tu sais que le porc se gâte très mal. Tu laves avec le vinaigre. Donc c'est pareil que les aisselles de tout nous. Hein? Tu laves avec du vinaigre. Tu mélanges avec du sel, tu mets le vinaigre. Tu malaxes ça bien. Le départ, hein. Il y a même le poisson. Moi, je lave toujours mon poisson avec du vinaigre. Je ne mange pas le tilapia. Mais quand je prépare le tilapia pour quelqu'un, comme par exemple Canaël, Canaël mange le tilapia. Moi, je ne mange pas ça. Quand je fais le tilapia à Canaël, je lave avec du vinaigre. L'odeur même là part. Les deux le conseil, vous venez m'envoyer les têtes de mort. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous prend? Je donne les meilleurs conseils. C'est très important. Même pour, pas seulement pour Etounou. Etounou, d'abord, je donne le conseil là parce que je l'aime bien. Mais il y a plusieurs. Il y a même des, vous savez que les femmes qui ont le teint clair là, souvent,
ils ont une odeur naturelle qui est un peu forte. Donc il faut. Il y a une de mes anciennes grandes sœurs là qui a fait le buzz avec mon nom ici là. C'est ça qui a fait en sorte que ces odeurs commencent à partir. C'est un très grand secret que je vous donne là, je ne blague pas. Petite fille à partir de 16 ans, 15 ans même, quand elle commence à voir ces trucs-là, que les sangs sortent derrière là, elles ont souvent des petites odeurs là. Vous leur faites les bains des aisselles avec le vinaigre, et puis vous venez maintenant prendre un caramel chez maman Pépé, comme ça. Et mon thym caramel est bien entretenu. Thym caramel donne la peau. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais de la soie sur le corps. Donc, Guyane. Pardon. Guyane. C'est pas la voix de Guyane que j'ai entendue là. Guyane n'est pas là à l'école. Bénin, oui. Bonjour. Bonjour. Guyane n'est pas là à l'école. Guyane est parti à l'école. Mais qui parlait là? Tu sais que c'est qui? J'ai entendu sa voix, j'ai commencé à... à l'école. Il voulait le jus. Il veut qu'elle m'amène le jus. Donc, comme je vous disais là alors, il y a... Le conseil est valable. J'avais des travers. Ma toux est finie. Mais là, j'avais des travers. Donc, je dis le conseil est valable pour tout le monde. Petite fille, partie de 15 ans là. Mais tout nous, il peut encore réparer parce que. Et tout nous, vous savez, avec le temps qu'il a mis pour Boza, il y avait des jours qu'il ne se lavait pas. Du coup, il avait déjà cette odeur-là. Ça a encore triplé. Eux, ils se disent que quand tu as ces odeurs, il faut mettre le stick ou il faut mettre le déo. Non. L'odeur est encore plus forte. L'odeur est encore très, très forte. Moi, j'ai un déo que j'utilise au Cameroun. Hein. Il est très, très, très bon. Il peut te faire 3 jours sur le corps. Ça s'appelle Erato. Le déo, si. Attendez, je vous montre ça. C'est un déo que... Je peux avoir tous les déos, hein. Chanel, Dior, machin. C'est juste pour le fun, hein. C'est un déo, là, c'est juste pour l'ornement. Hein. Mais le vrai déo, Erato, là, je vous jure. Tu mets Erato sur toi. Erato va faire... Erato peut faire 2 jours sur toi. Tu te laves, c'est toujours là. Le déo aussi, c'est 1500 seulement. 1500. C'est un ancien déo. C'est ma mère qui utilisait ça à l'époque quand elle travaillait encore à la poste centrale. Ça peut faire... Je dis que quand tu mets ça, tu n'as plus besoin du parfum. Le déo aussi. Et râteau là. C'est 1500 francs seulement. C'est ça que j'utilise. Quand je pars, je rentre avec comme ça au moins 20. Parce que c'est un très bon déo. Bon, imagine avec ça, quand tu es bien propre là, tu mets ça, ça te fait 2 jours. 2 jours, tu ne mets plus rien. Tes essais sont toujours... Oui. Donc, c'est valable pour tout le monde, c'est pas seulement pour Etounou. Etounou, il est né sale, dis donc. Il ne peut pas qu'on se voit les yeux que quand il veut venir... devant la scène, vous vous rappelez au début, non, c'est collant pourri là qui mettait. C'est pas que quand on est venu devant la scène, on fait. Moi, je reste toujours naturel. Mais voici, je viens de me lever. Je suis encore couché, mais je ne suis pas encore levé, je suis encore couché. Donc, quand on dit que quelqu'un est sale, on voit la saleté sur la personne. Mais voici, je n'ai pas bavé. Lève-toi le matin, tu fausses un direct comme moi. Et ton gars avait dit que tu ronfles et tu baves. Aïe. Hein? Nous voici, je viens de me réveiller. Qui est sale alors? Parce que là, je peux sortir comme ça là. Qui va savoir que je ne me suis pas lavé? Mais comme il fait chaud, il faut toujours se laver. Et frotter et penser biocé. Je dois me laver pour penser biocé.
Là, mon père m'a dit d'arrêter un peu. Il m'a dit, non, c'est bon, là, arrête d'abord. Arrête. Il m'a dit d'arrêter. J'aurais appris que la vache folle a dit que quand je viens au Cameroun, je suis chez ma belle-mère. Moi, au moins, j'ai une belle-mère. Ça n'a pas empêché que tes disciples l'ont affiché sur la toile. Ma belle-mère, que tu parles là. Vous avez mal qu'on touche pour vous, pourquoi? Il faut être sport, hein. Il ne faut pas avoir mal. Vous avez pris la photo de ma belle-mère, vous avez posté ici sur la toile. Ou c'était pour quoi? Ou c'était pour me faire mal? Je ne sais pas. Mais je vous ai posé une question depuis hier, vous ne me répondez pas. Pourquoi les gens oublient vite comme ça? Hein? Franchement, pourquoi les gens oublient vite? C'est ce que je veux savoir. Pourquoi les gens oublient vite? Parce que parlons peu, parlons bien. Et vrai. Franchement. J'ai dit hier soir, hier dans la nuit avant de dormir, que vous allez me rendre, vous risquez de me changer. Vous risquez de changer ma mentalité, mais pas changer mon cœur. Parce qu'il y a la mentalité et le cœur. Mon cœur ne peut pas être noir. Mais je peux devenir vulnérable. Et quand je suis vulnérable, c'est très dangereux. Il faut seulement s'écarter, il faut faire très attention parce que je peux faire très mal. Je ne veux pas qu'on me pousse à être méchante. Parce que pour l'instant, je ne suis pas méchante. J'ai posé une question à Etounou. Etounou ne vient pas me répondre. Lui vient raconter comment j'ai mangé. Mais en même temps, on va lui dire merci du fait qu'il m'a ressorti ma photo où j'étais noire. Ça confirme encore que Bios lave. J'étais sale avant. Bios m'a lavé. Ouais. J'étais sale. Bio, c'est mal lavé. Tu sais, quand tu es sale là, et tu deviens propre. Voilà. J'étais sale. Bio, c'est mal lavé. Regardez la photo là. J'étais comme le Kunta. Hein? Aujourd'hui, je suis comment? Même Rihanna ne me vaut pas. Même Rihanna ne me peut pas aller ainsi. C'est Bios Kanaï que vous voulez voir, maman. C'est la question que j'ai posée. On me ramène un cuir. Les gens ne sont pas venus me réveiller ce matin. Ils connaissaient seulement venir me réveiller pour que leur mbombo me sort le sang du drap. Mais tant que je veux qu'ils viennent me réveiller, alors ils ne viennent pas me réveiller. Vous voyez ça? On parle du chat, sa queue arrive. C'est mon amour, mon petit frère, il était que Gabriel, qui m'appelait pour me dire qu'il est là dans 20 minutes. Ouais. J'ai posé une question. Que la vôtre est là. Parce que je veux vous avouer une vérité. Hier, ici, là, on voulait me taper dans la maison-ci. Parce que quand il y a des gens qui appellent, qui donnent des conseils, ça, il y a des gens qui donnent des bons conseils. Et c'est les gens qui ne veulent pas que je me retrouve encore dans cette situation-là. Il y a peut-être 5 ans en arrière. Donc, ils m'appellent, qui m'aiment bien, qui m'appellent pour donner des conseils. Il y a une qui a donné un conseil hier, elle a bien commencé. Après, quand elle a dérapé, là, « Hey, maman, mes soeurs, ma grande soeur Gabi, quoi? Donc, c'est notre mère qu'on doit insulter. Donc, c'est quoi? J'ai dit, tous les matins, quand tu te réveilles, tu dois... Merde. Ils m'ont lavé ici. Hey. Gabi dit que, écoute-moi bien. C'est toi qui es devant. C'est toi qui es sur la scène. Alors, si tu laisses l'histoire, si, je vais très mal me fâcher contre toi. Il dit, oh petit frère, je suis le pape. Il dit que je t'ai dit... Nous, on n'est pas sur la toile. Nous, on n'est pas sur la scène. Donc, tu vas arranger le problème si.
ma grand-sœur dit aussi que on a insulté ma mère. On m'a insulté. Donc, les gens qui t'appellent là pour te dire que wow, que tu es Mère Teresa, que tu es ceci là, dis-leur que tu as un cœur aussi, hein, et que c'est notre mère, hein, et que c'est à cause de toi. Tu ne nous as pas vus sur la toile. Pourquoi notre mère vient écoper? Tu vas, sauf que. Quand elle disait ça hier, et quand elle parle alors, elle ne rit pas, elle est nerveuse. Et ma grande soeur est nerveuse. Quand elle parle, elle est. Je lui ai dit que l'autre est aussi venu ici insulter U. On a fait la capture quand elle fait comme ça là. Je lui ai dit que ta soeur était ici l'autre jour. On a fait la capture. Elle insultait U. Mais j'ai dit, hein. J'ai dit, oh. La personne qui envoie les têtes là. Comment la personne peut venir vous dominer dans votre maison? Sauf si c'est les gens de la maison qui envoient les têtes de mort. Parce qu'en temps normal, on ne peut pas vous dominer. Parce que quand moi je vois là que mes enfants sont en direct là, je vois une tête de mort. Je domine. Mon doigt va se caler comme ça sur le cœur. Parce que c'est pas écrit. Ce n'est que les cœurs que je vous nourris avec. Nourrissez-moi aussi avec les cœurs là. Il vous ment pas. Moi, il vous dit, l'enfant là, il va enchaîner l'enfant là. Il vous ment pas. Ce qu'il veut faire, l'enfant là. Mon sang, mon bobby. Mon bobby se retrouve dehors. Les bobby que je cachais jusqu'à. Parce que moi, je suis pudique. Moi, je ne suis pas comme la vache folle. Hein. Que elle aime sortir ses tétons là. Non, moi, j'aime pas. Peut-être qu'elle veut donner au bébé. Elle veut soit. Et. Allez me chercher encore les photos là où je nourrissais le bébé à l'époque là, non. Là où j'avais les cheveux comme ça là. Je donnais le sang au bébé. C'est là-bas que vous devez capturer le sang là depuis. Vous venez maintenant chercher, sortir le sang ici là. Bref, donc je disais où. Je repose encore la question à Etounou et sa patronne. Qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais que cette fois-ci, vous me donniez une bonne réponse. Vous ne venez pas faire genre, vous voulez donner les conseils. Moi, je n'ai pas votre compassion. Moi, je n'ai pas votre compassion parce que quand vous avez, parce que vous n'avez pas pitié, vous. Quand vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas pitié. Pourquoi moi, je vais avoir pitié de vous? Pourquoi? Dites-moi un peu. Parce que je constate que certaines personnes disent que oh maman Perpé, ne perds pas tes bénédictions. Je vais vous dire encore un truc. Je vous ai dit, j'ai deux femmes là, deux femmes. Il y a une là qui, quand elle se fâche, quand elle m'appelle, là, en ce moment, je pense qu'elle est en prière. Elle est en train de prier. Quand elle se fâche, elle m'appelle. Elle me dit, ma fille, tu es en train de déraper. Tu dérapes déjà là. L'autre qui est là-bas aussi, Marie-Josée, elle voit le danger plutôt venir. Ma mère aussi, que vous connaissez vous tous, elle, le Saint-Esprit, vient lui parler dans la nuit. Que ma fille, tu voulais aller à tel endroit hier ou aujourd'hui là, mais papa. Et quand je ne parle pas là, j'entends seulement le score après. Donc, j'ai les bénédictions. Ce que je n'ai pas à faire là, je vous ai déjà dit que je fais ça. C'est vous qui m'envoyez. Hein. Je suis votre envoyé. C'est vrai, je reçois aussi mes bénédictions, mais j'ai d'abord la forte bénédiction que. Aucune bénédiction va dépasser cette bénédiction-là. C'est la bénédiction de celles qui ont sorti de ses entrailles. Oui. C'est la plus grosse bénédiction. Tu as vu aujourd'hui la vache folle, elle est contente.
Elle est avec sa mère. Là où elle est là, si elle veut sortir, faire une affaire, il suffit que se mette à genoux devant sa mère. Sa mère met la main sur la tête, une petite prière. Rien ne peut bloquer, rien ne peut l'empêcher de réussir là où elle va partir. Oui, moi je vous dis ça, c'est un grand secret. Vous croyez que certaines personnes qui ont perdu leurs parents là, quand ils partent sur la tombe de leurs parents pleurer, disent que maman tu nous as abandonné ou papa tu nous as abandonné. Voici ma vie qui est comme ça. Il n'y a que ton parent qui peut te donner les bénédictions. Donc quand je vois certaines personnes qui ont honte, moi on a insulté ma mère de tous les noms ici. Est-ce que j'ai eu honte de ma mère? Au contraire, je faisais le direct, je montrais ma mère. Oui, je ne cachais pas ma mère, vous le savez. Je n'ai jamais caché ma mère. Au contraire, moi, c'est un plaisir. Ça me fait du bien. Ça me fait rigoler. Quand je fais une directe, c'est qu'elle m'aime souvent. Elle peut commencer à vous parler de ma vie. Dit que oui, elle là, elle ne lavait pas ses habits avant. Elle est née comme ça là. J'ai poussé, elle faisait nien, tout ça là. C'est pour ça que parfois, j'aime pas trop quand elle passe. Et comme elle lit, elle peut lire quelque chose où on m'a insulté. Ça va me faire mal quand elle va me dire que quelqu'un t'a insulté là. Ça va me faire mal. Mais je vous dis que ça me fait plaisir. Surtout quand je lance un direct, elle est là. On cause tous ensemble avec vous. Qui n'aimerait pas ça? Tout le monde. Donc, moi, je suis orpheline de père. Hein. Moi, je suis orpheline de père. Je n'ai pas connu l'amour paternel. Hein. Jamais. Hein. Donc, c'est pour dire que la même douleur que je ressentais quand on insultait ma mère. Donc, les bénédictions aussi que vous dites là, oui, c'est bien beau, mais ta première bénédiction, c'est ton parent qui te le donne. Regardez quand vous partez au village, voir peut-être votre maman ou votre grand-mère. Quand tu veux partir, il y a des paroles qu'on te donne, qu'on t'avance pour te bénir. On dit, quand tu as déjà, même si, comme U m'avait béni, le fait qu'elle a déjà dit une fois, je te bénis, hein, puis après elle vient maudire, c'est la première parole qui est passée d'abord. Donc c'est pour dire que les bénédictions, vous recevez plus de bénédictions que moi, puisque moi je suis votre messager. Donc arrêtez de me faire passer pour ce que je n'ai pas envie d'être, pour me faire culpabiliser, me faire des leçons de morale, quand vous me dites ça au contraire. Parce que je suis un enfant qui est bizarre. Quand je ne pars pas à gauche, c'est à gauche que j'ai envie de partir. Oui. Parce que je ne marche jamais comme quelqu'un veut. Je marche selon mon cœur. Si mon cœur me dit va à gauche, je pars à gauche. C'est comme ça que moi je fonctionne. Prends-moi un jus là, au bois, pardon. On dit bonjour. Bonjour. Ça, t'es dessus ta femme. Et t'es où hier? Tu me dis dessus ta femme. Toi, tu étais où? Et si tu rentrais, si tu étais là? À quelle heure? À 23h. Tu n'étais pas là. Et c'est maintenant que tu rentres. Moi, je suis parti me coiffer. Après, mon téléphone était déchargé, je ne l'ai pas éteint. Mon téléphone était déchargé. J'étais avec Popo, nous sommes partis d'abord faire les soins. On a passé, nous sommes sortis à 18h, j'avais un rendez-vous avec une dame cliente. Je suis la voir, après la cliente, je suis parti au restaurant là. Nous sommes partis au restaurant là, j'ai mangé, après nous sommes allés boire un pot. Mon téléphone était déchargé, après je suis rentré ici. Maman, hier là, quand je faisais le jet, tu sais, avec Momo a tiré le drap. Maman, mon sang, on a capturé mon sang, c'est ça qui fait le buzz sur la toile. Hey! Tu n'as pas encore vu ça? Non. Tu vois, ils sont en direct. Le sang est là comme ça, là, tout. Mon frère, les paparazzi ne blaguent pas. Quand tu es ça, mon frère, tu as les paparazzi partout. Prends-moi un jus là, pardon. Attends, viens. Non, prends le jus. Prends comme ça. Comme ça, on y doit. Combien? Deux beaufort dîner. Une de l'eau. Dis-moi de la facture. Va, tu prends le jus, tu viens avec la facture une fois.
Un jus bien glacé, s'il te plaît. Il dit que... Donc, ne me faites pas... Genre, vous voulez me faire culpabiliser. Parce que je suis un enfant têtu. Je suis une ancienne fille du ghetto. Donc, je fais selon mon cœur. Quand mon cœur me dit, ne fais pas. Pourquoi que je n'ai pas aussi un cœur? Pourquoi que ça me fait plaisir d'insulter, de vouloir insulter une maman qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait, qui est comme Marie-Josée n'a pas demandé à avoir un enfant. Je vous dis qu'il y a des moments souvent, quand la police m'arrêtait, parce que toutes mes soeurs étaient toujours à la maison, elles ne sortaient pas. Quand la police m'arrêtait, on appelle chez nous. Ma mère dit non, je ne la connais pas. Donc ne venez pas me faire culpabiliser, dire que je n'ai pas le droit. Parce que quand je veux commencer, moi je suis alors que quand tu t'attaques à une de mes personnes, que ce soit mon mari, que ce soit mon frère, que ce soit ma soeur, moi je m'attaque à toute ta famille. Moi je suis comme ça. Oui, moi je suis comme ça. Et si c'est un de tes disciples qui m'a attaqué, je m'attaque à... C'est-à-dire, je m'attaque à ceux que je connais. Moi, je ne suis pas là pour dire que c'est Achille qui m'a attaqué. Je vais m'attaquer à Achille seulement. Non, je m'attaque à toute la famille. Donc, comme tes disciples et tous nous veulent s'attaquer encore à ma famille, hein, je vais m'attaquer à ta famille. Donc, il faut déjà mettre pause vite fait. J'ai posé des questions hier. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Et tout le monde là, tous ces gens qui m'appellent pour me faire les leçons de morale, qui m'envoient les inbox là, sachez que à un moment, je vais me fâcher. Parce que j'ai insulté personne. Je ne fais que dire. Je pose des questions. On est d'accord. Et j'ai convoqué et tout nous et ta faux. Qui viennent me dire, parce que sur la toile, les gens qui ont le plus insulté ma mère et ma belle-mère, ce sont eux. C'est pour ça que j'ai posé la question de savoir, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la vôtre? Question. Et la réponse que j'attends, c'est de venir me montrer comment ils sont en train de manger le cuir. Ce n'est pas ça. J'aurais vu même aussi qu'on aurait pris la pièce dentée. De mon gars, vous avez mis sur la toile. Vous savez ce que ça peut vous coûter. Prendre la pièce dentée de quelqu'un, mettre sur la toile. C'est pour prouver quoi? Pourquoi vous êtes lâche? Bon, moi en voyant ça, je peux être vulnérable. Je viens, je commence à m'insulter. On va dire que j'ai insulté la maman de quelqu'un. Puisque moi, quand je vais, moi, je ne sais pas me chamailler. Moi, je touche là où ça fait mal. Si tu as pris mon sang, comme vous avez mis mon sang dehors, là, vous avez fait la capture de mon sang. Vous mettez mon sang comme vous avez mis mon sang. Moi, maintenant, étant énervé, je viens, je commence à leur insulter maintenant. Parce que là, maintenant, j'ai une bonne raison d'insulter. Parce que moi aussi, je suis mère. Je suis mère. Si maintenant, là, alors, je dis que bon, vous m'avez donc donné le foie maintenant pour fouetter, alors. Je commence donc maintenant à insulter votre mère. Dites-moi un peu, on va arriver où? Hein? Vous savez qu'il faut croire. Les mauvaises ondes, là. Il y a les mauvaises ondes. J'aurais entendu que. Elle est venue se faire soigner et qu'elle va aller à l'hôpital. À force de trop parler d'elle là, on sait que qu'est-ce qui peut se passer. La femme autrui ne peut pas prendre le poids parce qu'on est en train de parler d'elle. Elle peut manger seulement la bouche parce que les gens sont en train de parler d'elle. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais vous ne voyez pas souvent les risques qu'il y a dans ces choses-là. Parce que moi, je peux me sentir vulnérable là maintenant que voilà mon sein qui se retrouve sur la toile. Je suis aussi la mère des enfants. Voilà mon fils ici là. Demain là, ses amis vont voir, ils vont dire que mère, gars, on a vu le sang qui t'a arrimé. C'est un problème. Mais maintenant, là, vos rémés, vous voulez qu'on fasse quoi d'eux? C'est la question que je vous ai posée hier. On fait quoi de vos rémés? Parce que ça peut me rendre très nerveuse. Et ma colère monte souvent trop vite. Et quand je suis en colère comme ça, tant que je ne sors pas ce que j'ai dans mon ventre, j'étouffe.
quand il revient à la carrosse, par exemple, tu contactes, on me fait l'oncuit. L'oncuit. Maman, on a sorti une photo ici, là où je mangeais l'oncuit. Ça m'a de la salive dans la bouche. J'ai envie de manger ça. Merci. Ton pingouin là, ton bébé pingouin, elle là, elle va passer là-bas. Bien glacé, il y a les glaçons dedans même. Il y a les glaçons dedans, c'est bon. Le Gino. J'ai une commande là. Dites-moi alors. Maintenant alors que moi, je commence à m'énerver. Et quand je suis énervé comme ça, tant que je n'ai pas sorti ce que j'ai dans mon ventre, je peux pas laisser tranquille. À l'heure là même mon père connaît. Je viens et bombarde. Comme quand ça y est, il m'appelle, il commence à crier sur moi que tu as encore fait quoi là-bas sur Facebook? Tu as encore fait quoi? Il dit qu'elle fait quoi? Comment? Va payer une fois, pardon. Mal à la tête. Bon, après ça, je cherche qui va appeler, qui va m'amener manger. Pardon, quand me donne même deux bonbons alcoolisés ou bien les tom-tom. Je veux pas les bonbons ginger là, hein. N'aime pas ça. Dites-moi alors. Comme là maintenant, là. Vous connaissez quand je suis en colère, parce que là je suis fâché. Maman les joue. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, on attend Gabi va venir. C'est Gabi qui va décider de votre sort. Quand Gabi va venir, il va lancer le direct. Il va décider de votre sort, c'est lui qui a le dernier mot. Gabi va décider de votre sort et je connais ya sa réponse. Il va me dire, je dis, feu. Il te dit ça. Il va me dire que moi je t'ai dit, on a insulté ma mère. Donc feu. Ouais mon Dieu. Mais je peux pas, je veux même pas, j'ai même pas envie. Ouais, non, j'ai pas envie. Vous croyez que moi aussi n'ai pas. Hey, maman, c'est comme si c'est ma mère que j'insultais. Mais moi, je vous dis alors que moi, il me gâtait sur ma mère. Hein. Oui, moi, il me gâtait avec ma mère. Moi, il me gâtait avec ma mère quand je vois elle en train de laver ma grande soeur. Il vient acheter le problème. Je lui dis que dis donc, tu vois que c'est pas, tu nous as accouché que tu vas nous gronder n'importe comment. Hé, hey, moi. Il me gâte à ma remise souvent. Hein. Oui, donc c'est pour vous dire alors que je suis un enfant katakata. Donc quand ça me prend là, il te dit ce qu'il pense, même si c'est toi qui m'as mis au monde. Ma mère connaît. Depuis combien d'années, elle me dit de quitter sur les réseaux sociaux. Quand on l'appelle, on lui dit des trucs. Dès qu'elle m'appelle, elle lui dit que c'est la dernière fois, la première et la dernière fois. Quand on t'appelle pour te raconter mes choses, tu m'appelles pour me dire ça. C'est la dernière fois et je raccroche. Oui. Vous ne connaissez pas. Hein. Vous ne connaissez pas. Hein. Il dit qu'il faut remercier beaucoup Dicolo. Hein. Parce qu'il me redresse. Il m'a me redressé. Il m'avait interdit ça. Parce que moi, c'est tic. Il m'en fout. Donc, pour vous là, il m'en fout d'elle. Il m'en fout quand il dit que je m'en fous. Je m'en fous vraiment. Vous n'avez qu'à penser avant de venir insulter les mères des gens. Il m'en fout. Et. Il ne veut pas dire que si je réponds à ma mère, il veut dire que je ne l'aime pas. Je l'aime tellement que, regardez, que je ne fais que parler de ça depuis quelques jours. Je ne fais que parler de ça parce que ça me pionce. Bon, je vais vous couper le direct si je lance. Dès que Gabi, dès qu'il voit sa tête là-bas, il lance le direct.
et il décide de ce que je dois faire. Je vous reviens tout de suite là. Je vous reviens parce que quand ce direct est encore trop long là, ce n'est plus bien. Capture. Maman.